Bienvenue à... Ah non, je l'ai déjà faite celle-là. Bref, pour faire continuité avec l'ambiance médiévale du week-end dernier, je vais vous parler de Robert-Joseph Potier. Alors déjà, c'est pas si médiéval que ça, puisque Robert-Joseph Potier est un juriste du 18e siècle. Mais bon, on n'est plus à une imprécision près. Ce qui m'ennuie par contre et me pousse à faire cette vidéo, c'est que Robert-Joseph Potier est un des juristes qui a le plus influencé le droit tel qu'on le connaît aujourd'hui. Mais voilà, c'est un juriste de l'Ancien Régime, alors c'est caca. Caca ! Sauf que... Non, pas du tout. Déjà, pour vous donner le niveau du personnage, on lui a octroyé le titre de jurisconsulte. C'était un titre honorifique que l'on donnait à ceux dont la qualité et la culture étaient reconnues comme exceptionnelles. Autant dire que l'on ne donnait pas ça à n'importe qui. Et ça, c'est parce qu'il est réputé avoir étudié tous les sujets de droit de son époque. Tous. Oui, on peut dire que le mec est plutôt badass. Et Robert-Joseph Potier, c'est pas n'importe qui pour deux raisons. Tout d'abord, il est l'auteur du petit Pandecte Justinianae in Novum Ordinem Digeste. Littéralement, Pandecte de Justinien mise dans un nouvel ordre. Mais Jamy, qu'est-ce que c'est que ça alors? Sommairement, ce sont les ancêtres de nos codes à nous, mais déjà vieux de plus de 1000 ans lorsque Potier s'y attaque. Et justement, ces pandectes, c'est un petit peu le bazar, puisqu'en plus de 1000 ans, le droit a beaucoup bougé, et même pour partie, est devenu oral. Et c'est de là que vient notre manie des adages latins. Oui. En plus de cela, beaucoup de normes modificatrices étaient disséminées de ci, de là... C'était le bazar. Notre ami Robert-Joseph Potier a juste entrepris de toutes les recenser, mettre à jour et les mettre dans un ordre un petit peu plus pratique, ça c'est le bonus. Autant vous dire que le petit père y a passé un sacré paquet de temps. Une décennie de travail quotidien et acharné, selon la légende. C'était un tel exploit qu'après la parution du premier volume, le mec est instantanément devenu la célébrité juridique en Europe. Louis XV lui file même une promotion directement à l'université d'Orléans. Non, vraiment, il se la met bien. Est-ce que c'est suffisant pour notre jurisconsulte? Vous vous doutez bien que non. Il continue son travail de recensement juridique, mais sur le droit français cette fois, en les étudiant d'abord tous, parce que Ancien Régime oblige, le droit c'était très le bazar en fonction des différentes régions, hein, mais je vais pas rentrer dans les détails. Et bien sûr, il publie plusieurs traités de droit civil ayant pour but de résumer et même d'unifier les différents droits locaux vers un droit français uni. En tête de liste de ces traités, on trouve le traité sur le droit des obligations et le traité sur le contrat de mariage, qui sont, à mes yeux, les plus célèbres et importants. Et là, on touche un des aspects importants du personnage. Robert-Joseph Potier est un petit peu le père du droit français tel qu'on le connaît aujourd'hui, ne serait-ce que parce que dans le code civil qui est encore en vigueur aujourd'hui, on retrouve un certain nombre de ses formulations à lui. Et pourtant, personne ne le connaît. À part peut-être des maniaques comme moi. Et ça, juste parce qu'il a eu le malheur d'avoir vécu sous l'Ancien Régime. La Révolution française, avec son récit national, a effacé tout ça. Alors que, préambneux, Malleville, Tronchet et bien sûr Portalis, les rédacteurs du Code civil... Oui, parce que, pour ceux qui croient encore en ce mythe, Napoléon n'a pas du tout écrit le Code civil. Bref, les rédacteurs du Code civil se sont plus que largement inspirés des travaux de Potier lors de sa rédaction. Comment on dit déjà? Pensez à créditer, au moins, SBP? En plus de cela, Robert-Joseph Potier était véritablement habité par la passion du droit et surtout de le transmettre. Ce qui fait qu'il était très impliqué dans son université et donnait sans compter de son temps et sa personne à ses étudiants et sa discipline. Je dois avouer que j'ai découvert Potier en deuxième année par hasard en faisant des recherches sur le droit des obligations parce que je kiffe le droit des obligations. Il en faut. Et c'est une personne dont la vie m'a profondément marqué et m'a influencé à mon tour dans ma manière de vivre le droit et le pratiquer. Et c'est un petit peu ça que je voulais vous transmettre aujourd'hui. Voilà. Allez, bisous.